Bonjour à tous et bienvenue dans League of Historia. Aujourd'hui, nous allons étudier notre petit Imo. Le petit Imo, celui qui n'arrête pas de se faire zigouiller, je sais plus combien de fois il se fait tuer par an, mais c'était un chiffre astronomique. Timo, le scout de Bantam. Bantam. Je sais pas, ça doit être un... Je sais pas, ça doit être écrit dans son histoire, on va voir. Caractéristique tireur, secondaire, assassin. C'est un des champions qui a le plus de skins. Alors nous avons Timo éclaireur, Timo blaireau, Timo astronaute, Timo lapin, Super Timo, Timo panda. Enfin, ils ont, c'est un gros what the fuck. L'histoire. Alors, l'histoire est moyennement longue. C'est parti. Timo flirte entre l'humeur bon enfant et l'acharnement du tueur, mais c'est leur meilleur ami que l'on puisse rêver, Tristana. Oh. Timo est une légende parmi ses frères et ses sœurs Yordle de Bundle. Donc c'est un Yordle, hein. Je vous montre sur la carte. Si on en croit les Yordle, quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Bien qu'il aime l'accompagner chez les autres Yordle, il insiste fréquemment pour partir en mission solitaire afin de défendre Bundle, donc sa patrie. Timo est très agréable en temps normal, mais quelque chose s'éteint en lui lorsqu'il combat, de sorte que les vies auxquelles il met un terme durant ses patrouilles ne pèsent pas sur sa conscience. Alors que Timo était encore une jeune recrue, ses instructeurs et les autres recrues étaient assez déconcertés par son sérieux et son efficacité mortelle dès lors que les exercices commençaient. Lui qui était d'habitude si charmant et gentil. Les supérieurs de Timo l'orientèrent rapidement vers les éclaireurs du vaisseau mère, l'une des meilleures unités des forces spéciales de Bundle avec les commandos Megling. Ils ont de ces noms, Megling. Pas avoir un rhume pour prononcer ça. La plupart des Yordles n'accomplissent pas leur mission de reconnaissance avec beaucoup de finesse, mais Timo les réussit avec une maîtrise remarquable. Son nombre record de succès contre les ennemis tentant de s'infiltrer à Bundle a fait de lui l'un des Yordles les plus dangereux en activité, même si l'on a bien du mal à le croire quand on boit une chope d'hydromel avec lui dans sa taverne préférée. Bundle a décidé que Timo serait son premier champion de la ligue. Notre éclaireur Yordle s'y sort d'ailleurs comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, tu m'étonnes, il n'arrête pas de se faire défoncer. Son arme de prédilection, une sarbacane, projette des fléchettes enduites d'un poison Ajunta, rare, qu'il collecte lui-même dans les jungles de Kumungo. Afin de mieux supporter ses longues périodes d'isolement, Timo s'est récemment lié d'amitié avec Tristana. Elle aussi champion de la ligue et membre des forces spéciales de Bundle. Ah, on va voir avec son histoire, je pense. Ce lien est bénéfique pour les deux Yordle. Et les journalistes avides font déjà circuler les rumeurs selon lesquelles cette amitié se transformait en une relation romantique. Ouh. Cela ne change néanmoins en rien au fait que Timo est l'un des favoris du public de la League of Legends et un adversaire miniature qu'on a appris à craindre. Ouais, c'est vrai. Faut bien jouer quand même, hein. Il est pas facile. Et voilà, j'en ai terminé pour ce petit Timo. Malheureusement, je n'ai aucune vidéo sur Timo, ils en ont sorti aucune. Mis à part une vidéo que j'avais trouvée, hein, qui est présentée ici. Qui est présentée, donc je suis pas sûr que c'est Riot qui l'a fait. Plutôt un des personnes fans de League of Legends. Bon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain champion. Salut et bye bye.